À tout à l'heure. Ça va la cadence? C'est bon? If you're not going to help him stand, oh, Jaiwork. Allez, ouais. Elle est mouillée, hein? Jaiwork. Jaiwork. It's never done. Soyons, ça va, soyons? Bon. Parfait. J'ai la même à la maison. Et c'est d'un grand photographe, c'est Philippe qui fait les photos au Tibet. Elle est belle, avec des drapeaux de prière. Hein? C'est le Tibet, c'est. Ouais, c'est au. Enfin, c'est en Pérou. Chaîne de l'Himalaya. Elle est sur son site de photos, elle y est, hein, en plus. Hein. Mais j'ai la même. C'est Philippe. Hein? C'est le drapeau de prière tibétain. Alors là, il faut l'encadrer et faire quelque chose de joli. Ouais. Bon, est-ce que tout le monde est content de son petit cadeau? Ah! T'as envie? Non, c'est une. Si tu veux, tu peux essayer de l'échanger. C'est moi. J'en avais déjà plein, alors je l'ai mis. Je me dis, tiens. Que tu fais, ça. Ouais, bah tu l'offriras là, l'autre. Je l'ai dans mon sac. Non. Après tu peux voir, hein, c'est jamais changé. Qu'est-ce donc, Régis? Qu'est-ce donc? Une serviette absorbante. Ah d'accord, ça très bien. Et toi, Anne-Lise? Un pourri myrtille bio. Oh, ça très bien. On sait jamais si vous vous perdez en retour, t'as toujours une serviette. Non, parce que ça va être une ordure. C'est à toi ta petite fille. Oui. On les a gratuits des fois quand on fait des trails. On a eu la même, trail. Et... J'avais prévu une couverture de survie en plus au cas où il y avait quelqu'un qui n'avait pas. Oui. Mais j'avais acheté une petite couverture de survie, je me suis dit si jamais il y en a un qui n'a pas pour penser au cadeau. Bon, a priori tout le monde est content. Mais moi j'ai mes petits bredele Alsacia. Ah, tu vois? Et ça ils sont extra. À la cannelle, t'aimes bien la cannelle, j'espère? Oui. Oh là là. Oh, pour la baignoire. C'est sympa, un petit canard pour la baignoire. C'est la neige. Oui. Ah mais c'était l'amitié, machin, tout ça. Oui, bah oui. L'amitié du canard. Très bien. Il y a ça aussi. Un décapsuleur. Ah, ça c'est bien. C'est très important ça. T'as entendu? Ouais, j'avais entendu. Ah, ça c'est bien, c'est aussi une petite boussole, une petite loupe, au cas où. C'est une loupe, tu vois, dans le dos? Ça se voit pas très bien, mais bon, mais normalement c'est une loupe. Mais regarde, et là demain, le... si on peut faire... Boussole, sifflet, la température au cas où. Tu vois, ça marche bien, hein.
Ouais, c'est sur lui. C'est pas moi. C'est pas moi. Ah. Ouais, il fallait que ça tombe sur toi. Ouais. L'hémorragie de tes désirs s'est éclipsée sous l'azur bleu dérisoire du temps qui se passe, contre duquel on ne peut rien. Être ou ne pas être, telle est la question sinusoïdale de l'anachorète hypochondriaque. Que le bonheur est irréductible, et je dis, et il dit, que ton espoir n'est pas si désespéré, à condition d'analyser que l'absolu ne doit pas être annihilé par l'illusoire précarité de nos amours destitués et vice versa. Et vice versa. Il faut que tu arriveras à laminer tes rancœurs dialectiques, même si je suis convaincu que c'est très difficile. Mais comme moi, dis-toi qu'il est tellement plus mieux d'éradiquer les tentacules de la déréliction. Et tout deviendra clair. Mais tu dis que le bonheur est irréductible. Et je dis, et il dit. On en profite parce que...
inside you feel down. Always down against the grave you are. You saw this real life down. Allez, moustique. Ah merde. Ah non, il était... Alors le...